Salut à tous, nous sommes lundi 4 novembre. Il est 8h05 ou 10, un truc comme ça, donc je me dépêche un petit peu. C'est pour ça que je vous prends en même temps que je me lisse les cheveux. Bon, ça va être vite fait, hein, mais c'est juste pour redonner un peu de une forme correcte. Ok, c'était pas chaud. Donc, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je me suis pesée. Et j'ai repris 3,9 kilos. Je le savais. Autant vous dire que ce week-end, je me suis fait archi plaisir. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais ça m'a fait du bien. Et c'est là le principal. Je n'ai pas repassé la barre des 20 kilos perdus. Donc je suis contente. C'est un peu un signal d'alarme. Mais un gentil signal d'alarme. Là, de toute façon, autant vous dire que quand j'arrive au travail, je règle mes comptes que je n'ai pas eu le temps de régler vendredi. Bah, parce que je voulais partir, tout simplement. Et voilà. Donc, on est parti pour une nouvelle semaine. Motivée comme Jaja. Et voilà, on se laisse pas abattre. On continue. On lâche rien. Ça arrive. Des pertes de poids. Des prises de poids, ça arrive, c'est normal, c'est humain. Je rappelle quand même que les 3,9 kilos, je les ai pris en 2 semaines et pas une semaine. Hein, parce que maintenant, je me pèse toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, je vais vous laisser pour maintenant. Ce soir, c'est soit RPM, soit piscine. Mais je pense pencher pour la piscine. Mais je vous redis ça. Et voilà, je vous retrouve ce soir. À midi, je mange au travail. Et c'est tout. Voilà. Bon, il est 19h30. Je suis rentrée à 20 minutes. Cette semaine, je sais pas si je vous ai dit que c'était 9-18. Donc après, j'ai dû passer chez ma kiné parce qu'en fait, elle est enceinte et elle arrête. Donc j'ai dû aller régler ce que je devais payer. Et là, je vais repartir à la piscine. Il y a un cours à 19h45. J'étais pas motivée, mais je vais y aller. Je serais bien restée chez moi, je suis fatiguée en fait. Mais je vais y aller ce soir et puis on verra pour demain. Et voilà. Donc c'est parti. Donc là, je suis pas rentrée avant 21h. Mais c'est cool parce que je sais qu'en ressortant, je serais trop contente d'y être allée. Comme d'habitude. Bon, je vous retrouve avec une toute autre tête post-piscine. Ouais, post-piscine. Et ce soir, c'est spaghetti bolognaise maison faite par mon chéri. Voilà. Bon appétit. Je vous retrouve. Il est 23h05. J'ai remis l'heure à l'heure. hier, on a tout nettoyé la maison. Et du coup, les chaises, elles sont restées depuis hier comme ça. Mais bon, comme la table, on s'en sert pas des masses. Pour le moment, on laisse comme ça. Ça évite de poser du bazar. Et là, nous avons un petit bébé chat. Ça va mon bébé? Ça va Luna? Et pour ceux qui me demandent, Luna, elle a 1 an et demi. Elle est née en mai 2018. Ouais, elle a 1 an et demi. Et on l'a depuis ben, presque 1 an et demi. Voilà, c'est notre bébé chat. Là, j'ai tout nettoyé, la cuisine... On a tout rangé ici, maintenant je vais aller me coucher. Et ça c'est aussi une des différences avec mes 20 kilos en plus. C'est que j'ai beaucoup plus la pêche pour tout. Avant je laissais toujours tout en bordel, je rangeais quand j'avais le temps. Et voilà. Là je nettoie tout avant d'aller me coucher et tous les soirs. Avant je nettoyais mais vite fait et puis enfin c'était pas ouf quoi. Et au moins là, tout est toujours rangé, c'est très bien et c'est nickel comme ça, ça me va très bien. Là, je sais pas si vous entendez, il y a la machine qui tourne, j'ai fait tourner mes affaires de piscine. Je vais les faire sécher et si j'arrive à temps, j'irai à la piscine demain. Sinon, bah tant pis, j'irai mercredi. Comme je finis à 18h et que le cours est à 18h45, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, je vais aller me brosser les dents, me mettre en pyjama. L'avantage de la piscine, c'est que je suis déjà lavée, donc ça c'est cool. Donc je vous dis à demain et bonne nuit. Ça c'est sa petite passion à Luna. Regarder les oiseaux, les écouter et puis pousser des petits cris parfois. Salut à tous, nous sommes mardi.
5 novembre, c'est l'anniversaire de ma nièce aujourd'hui. Il faut que j'envoie un message à sa maman. Je vais partir, il est 8h10 et j'ai mon fidèle compagnon. Je vais essayer d'aller à la piscine ce soir. Je finis à 18h et c'est un cours à 18h45. Donc j'espère arriver à l'heure. Si c'est comme hier, je suis à l'heure. On verra. Vous verrez ça plus tard. Donc là je vais y aller, à midi je mange au travail et c'est tout. Je prends une banane et des amandes pour mon goûter et je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 18h40, du coup j'ai loupé la piscine, j'irai demain, c'est pas grave, je m'arrangerai pour être à l'heure. Par contre du coup je suis à Rive-Étoile, là dans le parking de Rive-Étoile, et je vais aller chercher de la pâtée pour Luna parce qu'on en a plus du tout. Et voilà, c'est tout. Donc je vais vite faire au Leclerc et après je rentre chez moi. De toute façon, ce soir j'avais un montage à vous faire, donc je vais le faire, comme ça c'est très bien, j'aurai le temps. Et après je rentre chez moi. Salut à tous, nous sommes mercredi 6 novembre et il est 8h27, je n'ai toujours pas l'heure dans ma voiture. Je trouve le temps d'aller chez le garagiste. Désolée, hier je crois que je vous ai laissé à Rive-Étoile et après je n'ai plus filmé, tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé de spécial. Une soirée des plus basiques, encore plus basiques que d'habitude, et j'ai passé quasiment toute ma soirée sur l'ordinateur pour vous monter une vidéo qui sortira pour moi aujourd'hui, pour vous qui est sortie mercredi. Donc que vous aurez, je pense, déjà vu. Je passe au orange sans pression. Là je vais au travail. Je fais 9h-18h. Et ensuite piscine, si j'arrive à l'heure cette fois. Je vais me dépêcher, c'est juste qu'hier j'ai eu un petit peu de retard. Notamment au travail, je suis partie un petit peu en retard. Donc bah, du coup ça m'a mis dedans forcément. Et là je vais essayer de faire en sorte d'être prête à l'heure pour partir vraiment à 18h, 18h05 max quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est parti pour une nouvelle journée. Plus que 3 jours. Ouais, c'est ça. Plus que 3 jours et ensuite week-end de 3 jours. Donc c'est trop cool. En tout cas, j'espère que pour vous tout va bien. Et je vous dis donc à ce soir. Bon, la journée est finie et il est, vous voyez pas, 18h30, je suis à l'heure, donc je vais vite y aller parce qu'il faut encore que je me change, que la lumière s'allume, c'est pas grave, que je me change et que j'aille aux toilettes, enfin tout ça. Il me reste un quart d'heure pour tout faire, donc j'y vais vite. En tout cas, je suis très contente, j'ai lu vite fait vos commentaires sur ma vidéo 24 heures dans ma vie et vous êtes contents que j'ai fait cette vidéo là, donc je suis très contente de lire vos commentaires et je vous réponds ce soir quand je rentre. Bon, c'est parti pour un cours de quoi dynamique. Bon, il est 20h40. Je suis rentrée il y a 20 minutes à peu près. Et du coup, ce soir, c'est vite fait, bien fait. C'est la purée créaline à la carotte. Et ça, c'est ce truc-là. Là. La galette quinoa et boulgour de céréales bio. Voilà, je le goûte enfin. Ça faisait un petit moment que je l'avais acheté, je crois 2 semaines. Je le goûte enfin, on va voir ce que ça donne. J'avais pas trop envie de faire à manger. J'avais pas préparé grand-chose. Je ferai demain la ratatouille, mais là, ce soir, c'est vite fait, c'est bon, c'est voilà, pour le soir, c'est très bien. En dessert, je sais pas trop, très certainement une banane avec du chocolat. Je vais peut-être me faire prendre 2 carrés de chocolat, les faire chauffer le micro-ondes et mettre la banane dedans. Ça, c'est bon, c'est un dessert que j'adore. Bon, il est 9h30, je vais aller me coucher, je suis vraiment fatiguée. Ça sert à rien de lutter, j'étais en train de m'endormir dans le canapé. En tout cas, les galettes là, super bon. Je les ai fait chauffer au four pendant 10 minutes. Et il y a un petit croustillant qui me plaît beaucoup parce que moi j'aime beaucoup quand ça croustille. Et j'ai trouvé ça vraiment super bon. Très étonnée. Donc j'en rachèterai. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à demain. Et bonne nuit pour moi en tout cas.
Salut à tous, nous sommes jeudi 7 novembre, il est 8h10 je crois, et je suis prête à aller travailler. Donc aujourd'hui j'ai mis ma petite veste verte comme hier, ma petite chemise de chez Kiabi, mon pantalon noir de chez Earth Clothing et mes baskets, des New Balance d'ailleurs, faudrait que je m'en achète des nouvelles parce que là ça fait un an que je les ai et elles commencent à se décoller et tout, donc... Voilà, je vérifie si Luna n'essaye pas de s'échapper. Aujourd'hui, pas de piscine. Je sais pas si ça va être très intéressant pour vous, mais je vais quand même filmer. Et voilà, donc ce soir, il faut que j'aille, après le travail, dans un point relais, chercher le cadeau, un des cadeaux d'anniversaire de la maman d'Antoine qu'elle a envoyé à Moumou, qui devait livrer dans un point relais, qui finalement est fermé. Faut que j'aille au truc UPS, donc je vais essayer d'y aller ce soir. Mais je crois que ça ferme à 18h30 et moi je finis à 18h. Donc je sais pas si je vais y arriver, au pire j'irai demain. Voilà, et moi demain c'est mon cadeau qui arrive demain après-midi, je l'ai fait livrer. Comme je suis toute seule à la maison au moins, je pourrais aller le cacher à la cave parce que c'est gros. C'est une chaise de bureau, donc voilà. C'est la même chaise de bureau que moi parce qu'il l'aime bien. Et du coup je lui ai offert ça. Donc voilà, c'est tout. En plus ma chaise de bureau elle est pas très belle, mais elle est super confortable. Et j'ai préféré privilégier, même malgré mon nouveau bureau, le confort de la chaise de bureau plutôt que de prendre une chaise de bureau jolie mais sur laquelle je suis pas bien installée, hein, parce que je passe quand même beaucoup de temps sur mon bureau avec YouTube, donc voilà, c'est tout. Ce midi je mange au travail. Je profite, ça va être la dernière fois là. Et enfin si on déménage un jour, parce qu'on était censé déménager fin octobre, après fin novembre. Apparemment maintenant c'est en janvier. Donc nous verrons bien. Et c'est tout. Donc par contre ça craint. On déménage en janvier et Primark va ouvrir là à la fin de l'année. Et mon travail sera en face de Primark. Donc voilà. Ça va être bien parce qu'on sera en ville et tout, mais alors pour le porte-monnaie ça va pas être ouf, je pense. Bien que voilà, en ville il n'y a pas des magasins de ouf à Strasbourg, hein. Il n'y a pas de Action, il n'y a pas de... En ville, il n'y a pas un truc de ouf quoi. Je veux dire, à part la Fnac, moi j'aime bien, le petit endroit j'aime bien, mais sinon ouais c'est tout. Bref, j'y vais et en tout cas je voulais vous remercier vraiment pour le retour sur ma vidéo que j'ai mise hier, les 24 heures avec moi, ça vous a beaucoup plu, donc c'est cool. J'avais un peu peur parce que quand c'est nous on trouve ça toujours un peu ennuyant et finalement ça vous a trop plu, donc je pense que j'en referai une, mais quand j'aurai un nouveau rythme du coup avec le tram machin, je pense à ce moment là, donc plutôt début d'année prochaine, voilà, pour vous situer la chose. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Il est 19h25, je suis rentrée depuis, je dirais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et là, j'ai sorti mon BFF, le Cookéo. Je voulais faire un ratatouille et puis je me suis dit que j'avais du poulet, des pilons de poulet à passer. Donc que j'allais faire comme les légumes de couscous avec le poulet et compagnie. Donc j'ai tout mis sauf les poivrons. Je fais ça en regardant les filles les plus motivantes pour faire à manger, c'est-à-dire Isadora et Marisa. Et c'est en commençant à regarder leur vidéo, je me suis dit, allez Hélène, bouge tes fesses, on va faire à manger et regarde la vidéo en faisant à manger. Voilà, donc là j'attends que le poulet dort et ensuite je mettrai mes légumes. Bon, c'est fini, il est 19h55, j'ai mis les aubergines pour goûter mais... Il y a une odeur qui me dérange, j'espère vraiment que j'ai pas loupé mon truc à cause des aubergines. Franchement, j'ai peur. Bon, ça a l'air d'aller et j'ai coupé les aubergines en gros, comme ça si j'aime pas, j'ai pas de mal à les enlever. Donc voilà l'intérieur et au fond, la buée bonjour. Et au fond, vous avez le poulet. Donc c'est comme un peu le couscous, sauf que je mets pas de semoule avec, je mangeais que des légumes parce qu'Antoine il a acheté des éclairs pour le dessert, donc je vais pas manger de féculents, je vais juste manger les légumes, la viande et puis je vais m'accorder un petit éclair pour le dessert. C'est cool non? À midi j'ai mangé une salade et à 4h j'ai mangé mon dessert de midi, donc ça va je pense. Bon, quand je suis rentrée je dois vous avouer que j'ai tapé dans les amandes, mais j'en ai pas mangé 10 000 non plus, donc voilà.
En tout cas, j'ai pas mangé de petits pains là comme je faisais. De toute façon, j'en ai pas racheté, donc comme ça, c'est réglé. Et voilà, donc je vais mettre tout ça dans une assiette et puis on va manger. Bon, il est 23h40. J'ai regardé Danser avec les stars et en fait, je me crois samedi, c'est horrible. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, non, demain tu vas bosser. Donc, il faut que je range tout ce qu'il y a là-bas. Que je range tout ce qu'il y a là. Et moi, je ne fais pas les choses à moitié. Je fais un meal prep en plein milieu de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Innovation, meal prep, milieu de semaine. Il n'y a que moi qui fais ça. Non, mais c'est cool d'avoir fait ce plat parce que du coup, là, j'en ai pour au moins 2 repas encore. Donc, c'est trop cool. Et voilà, donc je vais finir de ranger tout ce que j'ai à ranger, aller prendre ma douche et me coucher. Parce que demain, il y a quand même 3 heures de boulot, je finis à midi. À demain. Salut à tous, nous sommes vendredi 8 novembre, c'est le week-end dans 3 heures, enfin à midi. Il est 8h15 et je vais aller travailler et ce midi, je vais manger avec... Il a découvert le mot fraté, il est content. Il arrête pas de le crier hier, c'était sur Insta. Enfin bref. Et du coup, à midi, je vais manger avec Antoine. Je pense qu'on va très certainement manger au Air Bagel. Ma petite salade, je l'ai bien aimée là-bas, donc je pense que je vais prendre ça. Et ensuite, j'ai plein de choses à faire. Il faut que j'aille chercher son cadeau de sa maman dans un point relais. Il faut que je rentre chez moi parce que celui que moi je lui ai offert, il arrive aujourd'hui. Et j'en ai un autre à lui trouver. C'est un jeu vidéo d'Es quelque chose. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit disponible à la Fnac. Donc je vais voir. En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Et un nouveau week-end de 3 jours. Le dernier. Bon, il est midi 25. Je suis en week-end, je viens d'arriver au travail d'Antoine pour manger avec lui. Donc on va aller manger Air Bagel comme d'hab. Je vais prendre ma salade avec du quinoa, tout ça. Mais je pense pas que je pourrais vous la montrer parce qu'il y a toujours du monde. Et que j'ai pas forcément envie de filmer. Enfin, j'ai pas longtemps avec Antoine donc j'ai pas trop envie de sortir la caméra. Donc je pense vous retrouver à la maison cet après-midi. J'ai plein de choses à faire en fait mais il faut que je trouve une organisation. Parce que comme je vous disais ce matin, je dois aller à l'autre bout de Strasbourg chercher le cadeau d'Antoine que sa mère lui a fait. Moi, je dois passer à la poste. J'ai reçu un avis de passage, je ne sais pas ce que c'est. C'est un colis, pas une lettre, donc ça va. Donc, faudrait que j'aille le chercher. Et il y a peut-être les courses à faire. Je ne sais pas si on va y aller aujourd'hui. Et à 17h30, je dois revenir chercher Antoine. Pour l'emmener à un endroit pour aller chercher un truc. Donc voilà, je vais beaucoup rouler je pense cet après-midi. J'ai rendez-vous à 14h30 avec Marianne de Feeling Food aussi. Enfin bref, j'aimerais bien monter mon retour de course. Au pire je vous le mettrai demain matin si j'ai pas le temps de le faire cet après-midi, on verra. Je le vois au loin là-bas, donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 16h09. Alors depuis, j'ai mal cadré déjà. J'ai fait mon rendez-vous avec Marianne de Feeling Food. Ensuite, j'ai je regarde. ensuite j'ai attendu mon colis. J'avais peur qu'il arrive pendant que j'étais en rendez-vous avec Marianne. Finalement c'est bon, il est arrivé un quart d'heure après qu'on ait fini, donc ça va. Donc à 15h et quelques j'ai commencé à pousser mon gros carton là pour le mettre dans la cave. Je me souvenais plus qu'on avait quasiment plus de place dans la cave. Enfin bref, j'ai dû jouer au Tetris pour mettre le truc. Et maintenant je suis ensuite allée chez UPS dans un coin paumé pour récupérer un cadeau de la maman d'Antoine pour son anniversaire à Antoine. Et c'est vraiment un coin paumé là vers Neuhof, Port-du-Rhin, je sais pas trop quoi. C'est vraiment un endroit où je ne vais jamais. Du coup comme j'étais pas trop sûre d'où j'allais, j'ai vu un camion UPS, je l'ai suivi, je me suis dit c'est moi et ma chance, soit il m'emmène chez quelqu'un, soit il m'emmène chez UPS. Il m'a emmené chez UPS. Et maintenant je suis devant le Auchan Ilkirch pour ceux qui connaissent l'Alsace ou au moins Strasbourg.
Et je vais voir si j'arrive à récupérer mes places pour Pentatonix, que j'ai toujours pas récupéré, que j'ai payé, que j'ai pas récupéré. Et si je trouve, parce que je lui ai acheté du coup le même fauteuil que moi, mais je voudrais lui acheter aussi un jeu qui sort aujourd'hui sur PS4. Je me souviens jamais du nom. C'est un truc Death Stranger ou un truc comme ça. Donc je vais voir si j'arrive à le trouver ici. Et ensuite, il faudra que j'aille chercher Antoine à 17h30. Donc là, il me reste une heure, une bonne heure. Donc je vais faire un petit tour ici, puis ensuite bah, direction. J'aurais fait tous les coins, j'aurais fait Neuhof, Illkirch et après Schiltigheim. Voilà, donc c'est parti. Bon, il est 16h35, pas beaucoup plus longtemps que tout à l'heure. Et je l'ai trouvé, donc je vais lui donner tout de suite, enfin quand je vais le chercher. Parce que bon, j'ai un autre cadeau pour dimanche, donc ça va, il y a aussi les cadeaux de sa maman et tout. Donc je vais lui donner comme ça, il pourra en profiter sur ce week-end de 3 jours. Par contre du coup moi comme je regarde YouTube sur la Play dans le salon, eh ben je vais devoir dégager. je m'auto-dégage, voilà. Non, et puis j'ai envie de lui montrer que je suis quand même une meuf mortelle. Je lui offre le jour de sa sortie. Je pense que je l'en ai pas parlé, donc je pense qu'il s'attend même pas à ce que je me sois souvenue qu'il y avait un jeu qu'à 19 sur 20 ou je sais pas quoi. Et en plus, je suis arrivée devant le gars, j'ai dit excusez-moi monsieur, vous travaillez pour les jeux vidéo? Il me dit oui. Je lui dis alors je cherche un jeu, je connais pas le nom, je sais qu'il y a deux mots. Et il me dit quelle console? J'ai dit PS4. Il m'a dit Death Stranding, yes. Et il m'a dit il faut aller le chercher au pôle service, il était même pas dans les rayons. Je pense qu'ils ont peur qu'il soit volé, j'en sais rien. Du coup j'ai dû aller au pôle service, le payer directement et tout. Mais je l'ai trouvé et beaucoup moins cher qu'à Micromania, bien sûr. Micromania il se touche. Je sais pas comment ils font pour être encore ouvert hein, parce que je crois qu'il a 70 boules chez Micromania. Et à Auchan je l'ai payé 55 €. Voilà, donc il n'y a pas photo. Mais je suis contente de l'avoir trouvé. Et j'ai récupéré un petit truc. Pour moi, enfin pour nous deux, hein, parce que j'y vais pas toute seule. J'ai récupéré nos deux places pour aller voir Pentatonix. Je suis trop contente d'aller les voir. Je les aime trop et je suis trop contente. Ils étaient venus une fois à Paris, au Zénith je crois. Et je les avais loupés parce que j'habitais déjà plus à Paris et tout. Et bref, je les avais loupés. Et là, je suis trop contente en plus. C'est ça le Playel, c'est pas un Zénith ou un Bercy ou je ne sais quoi. Donc je suis trop contente. J'ai récupéré mes places. Maintenant, la mission, ça va être de pouvoir les retrouver au mois de mars. Donc je vais les cacher quelque part là où je suis sûre de les retrouver. Mais je pense que je vais les mettre à un endroit et je vais les mettre dans mes notes de téléphone. Comme ça, je saurai où rechercher si vraiment j'ai un trou de mémoire. Donc là, je vais y aller parce que de toute façon, à mon avis, à cette heure-ci, ça roule pas ouf. Et je préfère être en avance parce qu'il faut vraiment qu'on aille vite quand il sort du boulot. Donc il faut que je sois à l'heure. À chaque fois, je dis ça et il sort en retard. Mais... au moins moi j'étais à l'heure. Donc bah, c'est parti. Hello à tous, nous sommes samedi 9 novembre. Il est 9h01, donc je vais y aller. Je vais aller à la piscine pour deux cours, c'est la bonne coach cette fois. Donc je vais faire un aqua dynamique et un aqua training, voilà. Et j'ai intérêt à tout donner parce que demain soir on va manger pour l'anniversaire d'Antoine à la cloche à fromage. Et rien que le nom du restaurant, vous imaginez ce qui nous attend. Donc c'est parti. Hier, désolée, j'ai pas clôturé le vlog parce que à 9h je dormais. J'étais KO, j'ai dormi cash. On est rentré, je crois il devait être 8h, le temps de manger un petit bout et d'aller me coucher. Voilà, ça c'était ma soirée. Donc normalement aujourd'hui je devrais être en forme hein, parce que j'ai dormi 10h, mais je pense que j'en avais besoin. Et voilà, donc Antoine a déjà regardé, adopté son jeu, il était trop content, donc c'est cool. Surpris aussi que je m'en sois souvenue parce qu'il m'en avait parlé qu'une seule fois. Et donc voilà, mes antennes sont de retour. Bon, je vous laisse, j'y vais, c'est parti. Deux cours et après je rentre à la maison. Voilà pour le repas de ce midi, donc ce sera pilon de poulet, carottes, courgettes et aubergines. Comme la dernière fois, il me reste encore pour une fois, je dirais, peut-être une fois et demie à voir si j'arrive à l'accommoder. Mais j'adore ce repas en fait, et au moins j'en ai fait pour plusieurs fois, pour plusieurs jours, et c'est un gain de temps de fou pour moi. Je voulais aussi revenir sur un de mes cours de piscine qui est l'aquatraining. Donc l'aquatraining en fait, ça consiste à courir sur un
tapis. C'est assez réducteur de le dire comme ça. C'est de l'intervalle training et si vous êtes atteint de lymphœdème ou vous avez des problèmes de circulation, je vous incite fortement à suivre ce cours qui est tellement bénéfique pour mes jambes. Très honnêtement, pendant ou même après, j'ai mes jambes qui me picotent et au début je me disais que je forçais peut-être un peu trop. Et en fait non, c'est que le sang, la circulation, tout ça, elle est vraiment au max et du coup ça draine de fou. Donc je vous conseille fortement de le faire. Si moi je le fais, tout le monde peut le faire, hein, très concrètement. Donc si vous aviez un peu peur parce que voilà, vous dites vous n'arriviez pas à suivre ou pas, quoi, n'ayez pas peur, allez-y, c'est vraiment un super cours, notamment pour drainer vos jambes et vous aider à aller mieux. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez vous dans vos piscines, mais si vous les avez, n'hésitez pas à y participer. J'allais oublier, je me suis aussi fait décongeler 3 tranches de pain. On avait acheté du pain la semaine dernière chez Marie Blachère, qu'on a fait congeler. Et comme j'ai pas de féculents et qu'il y a de la sauce dans mon plat, j'ai préféré manger du pain à la place du féculent. Et voilà. Bon, je vous retrouve. Il est, j'ai toujours pas l'heure, 16h01. Je voulais justement aller chez le garagiste cet après-midi, mais c'est avéré que je me suis endormie. Je viens de dormir 1h30 et ça fait du bien. Donc après ma nuit de 10h, je suis repartie pour 1h30. Autant vous dire que ma coach de piscine m'a bien tuée. Les priorités, les gens, c'est pas leur truc apparemment. Du coup là, je vais toute seule à Bureau Vallée parce que j'ai besoin d'un truc pour le travail et voilà, donc je vais voir si je le trouve et ensuite je vais toujours toute seule, hein, vu que je suis toute seule, à Rive Étoile faire mes courses. Je préfère y aller toute seule parce que moi j'aime bien prendre mon temps et Antoine il aime bien faire la course, moi je fais les courses, lui il fait la course, donc je préfère y aller toute seule et c'est très bien comme ça. J'ai pris sa carte et on fait moitié-moitié, voilà, c'est réglé. Parce qu'on m'a demandé aussi comment on fonctionnait. C'est-à-dire que soit l'un paye tout, la semaine d'après l'autre paye tout. Enfin voilà, après on n'est pas au centime près, on s'en fout. Mais on partage tout. Donc là, à Leclerc et je pense oui, au Champ on peut aussi. On peut payer en deux cartes quoi. Donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est parti. Une petite balade et je suis encore un petit peu fatiguée mais je pense que c'est le temps que je me réveille parce que je me suis réveillée il y a vraiment 20 minutes quoi et comme il faisait encore un petit peu jour j'ai voulu en profiter pour y aller maintenant, comme ça je vais à Bureau Vallée, il fait jour et quand je reviens à Rive Étoile qui est pas très loin de chez moi, ça me dérange pas de sortir de Rive Étoile et qu'il fasse nuit. Voilà, vous savez tout, 3615 my life. Il faut que je vous mette le retour de course quand je rentre. Je voulais le faire avant et j'ai oublié. Il est monté. Il faut juste que je vous le poste. Voilà. C'est tout. A tout à l'heure. Bon voilà, j'ai acheté ça chez Bureau Vallée. Donc c'est un grand truc pour trier que je vais mettre à mon bureau. J'ai acheté aussi des pochettes en plastique. Comme ça, vous savez qu'ils s'ouvrent juste ici. Et des porte-mines pour... Pour écrire en fait, voilà, c'est tout. Et oui, on nous fournit du matériel à mon travail, mais j'aime bien avoir mes affaires en fait. Donc tout ça, c'est des choses que je ramènerai quand je partirai si je pars. Et voilà, au moins j'ai mes petites affaires et c'est tout. Voilà. Bon, ça y est, les courses, c'est fini. Du coup, je voulais vous montrer un peu l'organisation que j'avais pour passer vite en caisse. Je pense que beaucoup le font, mais on ne sait jamais. Donc en fait j'ai 3 sacs, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a des voitures, hein, c'est un parking. Donc j'ai un sac ici avec tout ce qui est frais, c'est un sac Picard. Là j'ai un sac avec des bouteilles, bon, j'ai racheté des choses dessus, mais non c'est que les bouteilles. Et là j'ai un sac juste avec les denrées sèches en fait. Bon, je vous retrouve, il est minuit 5. Non, plus que ça, normalement. Il est 1h en fait, il n'est pas minuit 5. Là je m'apprête à ranger tout ce qu'il y a à ranger par rapport à ce soir. J'ai passé ma soirée à regarder la Energy Music Awards. En tout cas c'est plus ce que c'était par rapport à avant. C'est médiocre on va dire. Donc là je vais nettoyer et pendant que je nettoie en fait j'en profite pour lancer l'aspirateur que j'ai reçu de la marque Bagot que je vous avais montré
sur Instagram et vous étiez nombreuses à m'avoir demandé mon retour. Et j'avais dit que je le ferais, mais finalement j'ai pris un peu plus de temps pour vraiment le tester à fond. Et en fait, bah, je pense que c'est un bon appareil. Ça remplace pas clairement un appareil classique, on va dire. Pour moi qui ai un chat qui met de la litière partout et qui doit passer l'aspirateur quasiment tous les jours, c'est quand même très pratique. Moi je le... Il a pas besoin forcément de passer. Alors je le laisse passer une fois par semaine partout tout seul. En fait vous avez dans la boîte vous avez une sorte de ruban qui empêche l'aspirateur de passer. Moi je l'utilise pas, je ferme les portes. Voilà. J'ai de la chance d'avoir des portes partout. Donc je ferme les portes, je l'enferme dans une pièce, il fait bien toute la pièce et après je l'emmène dans une autre pièce. Et quand il va pas là où moi je veux, parce que par exemple tous les soirs, je vais vous montrer, tous les soirs en fait ce que je fais c'est que au niveau de la table basse là où on mange, je passe l'aspirateur. Il fait pas beaucoup de bruit donc ça va. Je le guide avec la télécommande. Parce qu'il y a une télécommande avec, il y a une application aussi apparemment, mais on n'a pas réussi à la faire fonctionner, donc on utilise la télécommande. Donc là par exemple ce soir je vais utiliser ça. Donc je réveille la bête et je le guide moi avec la télécommande là où je veux qu'il aille. Et je peux l'accélérer en plus, il y a un mode turbo. Et vous voyez au niveau du bruit c'est... Moi c'est bien isolé chez moi et du coup ça sent pas, les voisins peuvent pas l'entendre. Elle tourne. Et tous les soirs, du coup, je fais ça et ça intrigue Luna aussi. Et ici, voilà, ça a toujours besoin d'être aspiré. Vous voyez, par terre, c'est pas ouf. Et du coup, je le laisse bosser. Et je pense que Luna va bientôt intervenir. Donc, quand vous le mettez en mode auto, il fait vraiment toute la pièce. Mais comme je vous ai dit, ça n'empêche pas un. Ça ne remplace pas un aspirateur normal. Moi je fais au moins une fois toutes les deux semaines bien tous les coins avec un aspirateur quoi. Parce que sinon bah, lui il est rond, il va pas partout quoi. Allez, c'est moi qui le guide mal hein. Comme je regarde à la caméra je suis pas. Et là le truc en dessous le canapé c'est nous qui l'avons mis parce que il est un petit peu bancal et on veut pas qu'il y aille parce que sinon il se coince. Là il tombe tout seul. Hop. Hop hop hop. Et il aspire super bien la litière, franchement. Donc vous avez Luna ici. Qui adore son copain l'aspirateur. Autant l'autre, elle s'en va en courant, elle reste pas dans la même pièce. Autant lui, elle le suit. Elle a adopté le bagote, elle aussi. Hop hop hop. Donc voilà, vous voyez en 2 temps 3 mouvements, il y avait pas mal de choses par terre. Hein. Il m'a tout aspiré. Voilà. Là j'appuie sur la petite maison. Et il va rentrer chez lui. Donc sur sa base qui est juste là. Et il n'a pas besoin de moi quoi. Et Luna. Toujours très intéressée par son ami Bagotte. Et voilà. Et donc je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. Normalement cet aspirateur il est à environ 230 euros je crois. Donc via ce lien vous avez 15% de réduction qui se met sur le prix. Donc il revient à 203 je crois, je sais plus. Et ensuite je vous mets juste ici un code à entrer à la fin de votre commande qui vous élèvera encore 5%, du coup ça vous fait 20% sur l'aspirateur et ça vous fera environ 191 euros. Et la livraison est plutôt rapide, franchement en quelques jours c'était chez moi, c'est super rapide. Et je crois que vous avez les délais de livraison de toute façon sur le site d'Amazon parce qu'il est en vente sur Amazon. Et vous pouvez en profiter pour faire Poulpeo en même temps. Comme ça, vous pouvez avoir un cashback et récupérer de l'argent en plus. Voilà pour le petit bon plan. Donc, en tout cas, moi, je vous le conseille. Après, pour être très honnête avec vous, ça ne remplace pas un aspirateur normal. Mais moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Voilà.
notamment pour la litière. Même si la litière, elle peut pas accéder à, enfin, à des endroits, en fait, moi ce que je prends, c'est mon petit balai-balayette, que j'ai pas besoin de me baisser là. Je mets tout au milieu, enfin là où c'est accessible pour l'aspirateur, et après je lance l'aspirateur et puis il se débrouille. Voilà, donc ça nous change la vie quand même à Antoine et à moi d'avoir cette machine. Ça faisait longtemps que j'en voulais un, donc je suis contente. Et effectivement, c'est très pratique. Voilà. Donc je vais finir de ranger tout ce que j'ai à faire. J'ai une machine à étendre. Je ne suis pas couchée, mais bon, j'ai fait une sieste cet après-midi, donc ça devrait aller. Et demain matin, je dois aller à la piscine. Parce que demain soir, avant de bailler, je disais que demain soir, nous allons manger à la cloche à fromage. Parce que c'est l'anniversaire d'Antoine. Bah, déjà aujourd'hui, hein, parce qu'il est 1h du matin. On est le 10 novembre. Et donc ce soir, demain soir officiellement, on va manger à la cloche à fromage à Strasbourg. Donc il faut quand même aller à la piscine à un moment donné pour pouvoir se faire plaisir de l'autre côté. Voilà, donc je regarde Luna. Hein. Je pense qu'elle cherche encore son copain Bagotte là. Je voulais revenir sur quelque chose aussi, du coup je vous pose parce que je vous fais bouger sinon. Ça fait deux ou trois fois. J'avais déjà eu une fois ce commentaire et j'avais pas relevé. Et là, ça fait peut-être deux fois en peu de temps que quelqu'un me dit c'est facile pour toi. Alors, déjà, il faudrait aller au bout du commentaire et expliquer qu'est-ce qui est facile pour moi. Et si vous estimez que c'est facile pour moi de me mouvoir, parce que je pense que le commentaire était dans ce sens-là par rapport à la vidéo où c'était posté. Pas du tout, c'est très compliqué pour moi. D'ailleurs, je veux faire une vidéo sur ça. J'ai déjà filmé des choses déjà au mois de mars ou avril, donc voilà, quand je vais la sortir, je ressemblerai plus vraiment à ça. J'avais les cheveux beaucoup plus courts, enfin bref, mais c'est pas facile pour moi. C'est pas parce que je fais les choses que c'est simple pour moi. C'est dur pour moi de me mouvoir. Vous voyez l'état de mes jambes, je les photoshop pas, hein. Mes jambes elles sont comme elles sont sur mes photos, sur mes vidéos. Et c'est pas facile de vivre avec ça. Tous les jours vous rigolez ou quoi, franchement. C'est dur pour moi de me changer à la piscine bien sûr, mais je m'adapte. C'est dur pour moi de faire plein de choses. J'ai encore des problèmes de souffle, même si j'ai perdu du poids, c'est encore compliqué. Pas facile pour moi. J'essaie juste de me donner les moyens de mes ambitions et c'est tout. Voilà. Je voulais juste revenir sur ce point-là parce que deux fois en une semaine, je crois, je me suis dit je vais peut-être mettre le holà avant que ça continue parce que je comprenais pas bien pourquoi on me disait ça. Non, ce n'est pas facile pour moi, pas du tout. Et je pense que ces personnes-là, peut-être qui pensent que c'est facile pour moi, se rassurent en se disant que elles le font pas parce que bah, c'est certainement dur pour elles, mais qu'elles n'essayent pas, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, c'est pas du tout simple pour moi, pour plein de choses encore. Hein. Je suis loin d'être guérie et ça va être encore un long combat, comme voilà, comme je vous l'avais déjà exposé plusieurs fois d'ailleurs. En tout cas, le temps passe vite, bientôt un an que j'ai commencé ce challenge et je suis contente de la tournure des choses, même si en ce moment c'est pas la fonte des neiges, mais je me sens bien, je me sens mieux et je pense que le poids, et ça c'est un gros travail aussi sur moi, le poids n'est pas une fin en soi. Parce que je pense que je perds quand même, même si sur la balance ça se voit pas forcément. Je sais pas si vous, voilà, si vous comprenez bien. Et de toute façon, je ferai bientôt la InBody, c'est la balance qui est à ma salle de sport, qui est vraiment bien parce qu'elle calcule tout ce qu'il y a dans ton corps et pas que il y a des balances dans le commerce où en fait il y a que tu montes dessus en fait et ça calcule. Donc oui, ça te donne un résultat. Plus ou moins vrai parce que ce qui est bien aussi c'est les balances qui sont dans les salles de sport ou chez certains médecins.
Il y a un truc pour les bras aussi. Et là, c'est encore plus précis et encore plus vrai. Et c'est celle qui est à ma salle, donc je suis trop contente. Et faudrait que je la refasse. Je l'ai faite il y a un mois et demi, je crois. Il faudrait que je la refasse. Faudrait que je reprenne rendez-vous pour la faire. Pour voir justement ce qui a changé ou non. Je vais voir si je peux prendre rendez-vous avec ma coach, Elodie. Voilà. C'était tout. Donc en tout cas, je vais vous laisser pour le vlog de cette semaine. Du coup, l'anniversaire d'Antoine, si vous voulez le suivre, ce sera sur Instagram parce que je ne pense pas filmer. Demain, c'est dimanche. On va profiter de ça en famille. Je mettrai des petites stories sur Instagram. Mais je pense pas filmer pour YouTube. Hein. De toute façon, c'est son anniversaire, c'est pas le mien. Et voilà, en tout cas, je souhaite un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 10 novembre et qui m'ont dit « Ah, mais il est né le même jour que moi ». Donc bah, si tu es née le 10 novembre, je te souhaite un très bel anniversaire. Et voilà, donc je vous embrasse, j'espère que cette nouvelle semaine avec moi vous aura plu. Et on reste motivé et on se serre les coudes et on lâche rien et on va y arriver. Je vous embrasse et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Thank you.